Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est excitation extrême vu que on va déballer un swap. Ce swap, je l'ai réalisé avec Océane, et pour vous resituer un petit peu qui est Océane pour moi, c'est une abonnée avec qui j'ai commencé à discuter par mail il y a déjà de ça pas mal de temps, je dirais environ une année et demie, bientôt deux ans je pense. Et petit à petit, c'est un petit peu devenu ma petite sœur du net, et quand elle m'a proposé de faire un swap avec elle cette année, bah, j'étais comme une folle. Voilà, moi j'adore partager ce genre de moments avec des gens que j'apprécie. Alors, ne pas oublier de bien coller là. Oui bon, ça on s'en fout. Je sais jamais comment les souffrir. Donc voilà, elle se retrouve perdue face à un colissime. On va mettre ça par là. Je ne sais pas dans quel sens ça s'ouvre. J'allais dire, le scotch jaune, ça vient pas de la poste française, ça vient de la poste suisse. Les gars, ils ont eu pitié, ils ont fait putain les gars, le colis va s'ouvrir. Il faut qu'on rajoute du scotch. Et je crois qu'ils ont bien fait. Alors, ah, mon dieu, je sais pas du tout. Je l'avais en effet, je crois, un petit peu à l'envers. C'est pas grave. Donc moi, littéralement, j'arrache des parties du carton, hein. Autant qu'à faire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment je vais faire pour vous montrer ça? J'essaie, mais c'est un petit peu tendax. Voilà, 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 voilà. Donc je vais poser ça à côté, hein. Cette fois, j'ai exprès prévu une chaise. Vous aviez été nombreux à me le suggérer, hein, dans les précédents swaps. Tac. Ah oui, c'est beaucoup plus accessible comme ça, en fait. Ma très chère Margot, ici se trouve le menu du swap et une lettre. Elle m'a mis des petites photos de nous deux qu'on avait prises lors de salon du livre et de meet-up. Ça me fait trop plaisir. T'as mis les dates en plus, t'as très bien fait. Donc là, je pense que j'ai le menu. Donc, pour commencer, je te propose de passer un merveilleux dimanche. Vas-y pour trouver le numéro 1 là-dedans. Hein. Bon, déjà, il y a ce petit renard qui est trop mignon. Ouh, le premier, ça peut être quoi? Toi, t'as pas de numéro. Peut-être que c'est ça. Alors déjà, je vois ça, moi. Alors... toi, je vais te laisser bien en évidence, genre par là. Non, là, ça va tenir comme ça. Voilà. Hein. Donc, ça devait bel et bien être celui-ci. Qui a perdu son numéro dans le tas, mais c'est pas grave. Ah, c'est du pop-corn. Eh, c'est trop... l'emballage est trop cool. Donc, excusez-moi, j'étais en train de m'extasier devant la chose. En fait, c'est un paquet de pop-corn salé. Mais vous avez littéralement la petite boîte dans laquelle vous pouvez mettre vos pop-corn comme au cinéma. Je suis trop fan. Ça vient de commencer, je fais que prendre de la bouffe et je suis déjà fascinée, quoi. Tout va bien. Et si tu mettais un liquide chaud juste pour voir la magie opérer? Ok, number two. Oh là là. Je l'ai vu, je l'ai vu chez je sais plus qui. C'est pas Saïfiel qui l'a aussi? C'est un mug. Les gars, c'est le mug de la magie Harry Potter, ça. J'adore. En fait, elle est comme ça, toute noire. Donc c'est noté, hein, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et quand vous mettez du liquide chaud dedans, pouf, vous avez la carte du maraudeur qui apparaît. C'est trop cool. Je l'ai vu cette tasse, j'étais là genre trop jalouse et je la veux et tout. Oh non, je suis trop fan. Je me suis fait une promesse quand je déballe des swaps maintenant. Je dis merci à la fin parce que sinon je fais des merci à chaque ouverture de paquet. Et ça va pas du tout. Alors, numéro 3, j'avoue j'ai totalement craqué. Alors désolée pour l'emballage raté. Non, je crois que ça va, hein, parce que tu sais c'est compliqué les emballages, hein, quand même. Dans les swaps faut que ça tienne et tout, c'est pas évident. Mon dieu. Mais toi, t'as craqué ton slip, en fait, c'est ça? Oh là là! Donc, un petit t-shirt, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, c'est pour aller avec la tasse, hein, n'est-ce pas? Non mais ce pull! Ah, il est trop cool! Je peux pas, j'ai Quidditch! J'adore! Ah non, je kiffe! Il est tout doux dedans. Oh, il est tout doux dedans. Oh là là! J'adore. J'ai perdu le menu. Ah non, il est tombé. Alors, numéro 4, petit papa Noël. Entre parenthèses, ceci est une note de musique ratée. Elle est très bien ta note de musique, je vois pas le problème. Ça tombe trop bien, je vais faire la vidéo sur le challenge Cold Winter juste après. Oh putain. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, elle m'a offert les souliers de Noël de Donna Van Leer et elle m'a offert une seconde avant Noël de Romain Sardou. C'est des livres.
Je les veux depuis super longtemps, on me les a très très souvent conseillés parce que comme j'adore la période de Noël, que j'adore lire des lectures en lien avec Noël, surtout pour le challenge Cold Winter. Non mais là, c'est genre trop le pied quoi. Merci! Oh bah j'avais dit que je disais pas merci avant la fin du swap. Raté. Attends, je viens de lire le truc là, j'ai déjà peur. Une tasse ébréchée, l'enfant qui sommeille en toi comprendra. Non mais vous aussi, quand on vous dit tasse ébréchée, il y a un truc qui vous vient particulièrement en tête? Parce que moi, oui, hein. Moi, beaucoup, beaucoup oui, en fait. Oh, oui. C'est Mrs. Samovar avec Zip en pop. Oh non, ils sont trop mignons. Oh. Je suis trop fan. Vous allez aller avec Belle, ce sera trop bien, trop beau, trop magnifique, toute la petite famille et tout. Alors, numéro 6, tout petit cadeau de mon voyage en Italie et en Alsace. Oh. Alors, nous avons... Magnifique marque-page. Ça, je pense que c'est le cadeau d'Italie, hein. Parce que les petits anges, là, tout ça, hein, on les connaît. Et Vincent, il va te tuer, hein. Tu le sais, ça. Oh, il y a un petit Pinocchio. Ah, c'est un aimant. Non, mais ça, c'est une tasse pour Vincent. Ça va trop le faire rigoler, je suis sûre. J'aime beaucoup l'Alsace, en fait. C'est une région que j'ai beaucoup visitée avec mes parents. Numéro 7, un grand classique. Je crois que je vais te proposer de faire des swaps avec Anaïs. Vous avez la même façon d'emballer les livres. Mettre énormément de papier, en fait. Si ça, c'est pas le destin. Donc, dans le précédent book haul, je vous présentais l'œuvre de Zola. Et là, elle m'offre quoi? Thérèse Raquin. Voilà. Genre, c'est un message subliminal pour me dire « Margot, il faut définitivement que tu découvres Zola. » Voilà, au cas où tu n'avais pas remarqué. Numéro 8. Pour poser tes bijoux ou tes clés ou autre chose. Waouh! Ah, vous voyez rien à cause de la lumière. Attends, comme ça. Ah, comme ça, vous voyez mieux. Il est trop beau! Oh, c'est une coupelle, hein. Et dedans, en effet, soit vous pouvez mettre vos bagues, vos boucles d'oreilles. Bon, moi, avec les chapardeurs, là, hein. Je vais peut-être pas mettre mes bijoux. Oh là là! Mon Dieu! Il est magnifique. On va mettre un peu plus clair, oui. Numéro 9. Quand l'enfance ou l'adolescence vire au cauchemar. C'est bien, ça, c'est rassurant déjà. Oh oui! Oh oui! Ambiance, ambiance, eh. Elle m'a donc offert « Je m'appelle Lot et j'ai 8 ans » de Anne Bérald. Ça tombe bien, je vais lire un nouveau Anne Bérald pour le Challenge Cold Winter également. Non mais elle a lu dans ma tête, je crois, en fait, c'est pas possible. Et « Trouble-tête » de Mathilde Monac. Donc en effet, tout ça regroupe un petit peu l'enfance et surtout les problèmes d'adolescence dans l'un ou dans l'autre. J'adore. Mon Dieu, ça en fait des nouveaux livres dans ma palle, ça c'est pas bon. Alors numéro 10, pour un adorable bébé renard qui aura la plus belle des enfances adolescence. Oh. Oh. Oh non, c'est trop chouchou. Ben écoutez, je crois que petit bébé qui va bientôt arriver va être gâté, hein. Oh, ils sont trop mignons. Tu sais, ce bébé n'est même pas encore là, qu'il est pourri gâté. Et enfin numéro 11, ce dernier cadeau est pour une renarde merveilleuse. Ah, et accessoirement, j'ai eu beaucoup de mal pour le trouver. Tu m'étonnes que t'as eu de la peine à le trouver. C'est le roman, enfin la nouvelle La Renarde de Hugues Douriot et ça fait en effet une éternité que je le cherche et qu'il n'est plus édité et que voilà, et que tu es juste formidable d'avoir réussi à le trouver, je sais pas comment t'as fait, mais waouh, waouh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je le voulais depuis une éternité. Je crois qu'on peut le dire, encore une fois, c'est un swap particulièrement réussi, magnifique, tout a été pensé à la perfection, je trouve ça juste, voilà, c'est juste trop cool. C'est juste trop cool. Océane, je te fais un très grand merci, tout particulier, rien que pour toi, plein de bisous, j'espère que mon colis va te plaire. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que j'ai offert à Océane, elle va prendre des photos et va les poster ensuite sur son blog, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur la barre d'infos si vous avez envie de voir. Comme d'habitude, je me répète un peu, mais j'ai toujours l'impression de faire moins bien que ma binôme de swap en général. Mais voilà, j'espère vraiment que tu apprécieras. J'ai vraiment tout choisi, tout particulièrement pour toi. Moi, je sais pas quoi dire. Je suis... Voilà, je suis comblée. Je suis toute émue par plein de choses. Il y a plein de petites choses qui me rappellent plein d'autres petites choses. Et c'est juste trop bien. Voilà, donc merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très belles lectures. À très vite.